Poursuit ce journal avec une séquence émotion. C'était ce matin à l'aéroport Roland-Garros. Des voix mélodieuses ont empli l'aérogare du refrain de Tifleur Fané. C'est ainsi que les petits chanteurs à la Croix de Bois ont signé leur atterrissage à La Réunion. Reportage Pierre Gaud, Daniel Fontaine. Moment exceptionnel pour les petits chanteurs à la Croix de Bois, chanter Tifleur Fané dans le hall de l'aéroport. 12 heures de vol depuis Paris, moment des retrouvailles. Vous allez voir, c'est un pays formidable. Moi, je ne l'ai pas vu depuis moins de septembre, et c'est qu'on ne l'a jamais vu chanter nous-mêmes. Donc, vous voyez, et c'est qu'ils viennent sur l'île et on va pouvoir enfin le voir, lui avec les autres, c'est sûr. Et je suis fier de lui, oui, c'est vrai. Fier de moi, non, mais fier de lui, oui, voilà. Il y a sûrement beaucoup d'amis qui vont venir nous voir en concert et ça me fait vraiment plaisir, je suis vraiment super content d'être ici. Et à titre personnel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller à la plage, tu vas te promener, tu vas aller... Oui, je vais sûrement aller me promener ou aller me baigner à la piscine ou à la plage, surtout à la plage. Première représentation demain 10 avril à l'église de Sainte-Marie. Les petits chanteurs à la Croix de Bois donneront 9 concerts sur l'ensemble de l'île. Alors Nicolas, originaire de La Réunion, fait partie de ces petits chanteurs à la Croix de Bois. Il nous a rejoint ce midi sur notre plateau, ainsi qu'Alain Babot, responsable de la tournée. On va les rencontrer. Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Nicolas, ça va? Pas trop fatigué par le voyage? Non, ça va, c'est tranquille. Non, ça va. Alors, originaire de La Réunion, le retour au pays pour une série de concerts, qu'est-ce que vous ressentez là? On sent surtout du stress, ouais, parce que j'ai jamais chanté devant ma famille, devant mes amis. Enfin voilà, du coup, ça c'est hard. Vous faites partie de l'association depuis 4 ans maintenant, depuis 2009, c'est bien cela. Ça n'a pas été trop dur de quitter la famille en 2009? Au début, oui, c'est c'est dur de se séparer de sa famille, quoi, parce que d'un coup, hop, on nous lâche dans un univers qu'on ne connaît pas. Mais après, on est vite bercé par le groupe et là, c'est vraiment génial. Lorsque vous êtes parti, vous aviez 11 ans, voilà. Juste 11 ans. Et avec un rythme soutenu, c'est-à-dire les cours classiques le matin, des cours de chant l'après-midi, ça va, ça s'est bien passé, pas trop dur? Ah oui, j'aime ça, donc pour moi c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Alain Babot, Benoît Cascade faisait partie aussi des petits chanteurs à la Croix de Bois, originaire de La Réunion, aujourd'hui Nicolas. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Ben, je crois que oui, parce que j'en ai déjà entendu un et je le présentais au chef de chœur. Et je crois que si ça marche, ce serait super pour lui et pour nous en même temps. Parce que c'est une amitié qui est de plus en plus profonde et réelle avec La Réunion. C'est assez exceptionnel, quoi, en fait. Quels sont les critères pour faire partie de cette association? Il faut chanter bien, mais normalement, quoi, en fait. Hein, avoir une voix mélodieuse. Ouais, une bonne voix. Hein, et puis aussi, en fin de compte, avoir le sens de pouvoir vivre en groupe. Je pense que c'est important, c'est ce que tu as dû te rendre compte. Vivre en groupe, une certaine discipline, quoi, effectivement. Et puis au niveau scolaire, de se débrouiller, mais normalement, voilà. Et puis après, ça part tout seul. L'association est à La Réunion pour une série de concerts. Oui. 10 au total, c'est 9 concerts au total. Et un certain nombre de villes. Qu'est-ce que vous attendez de ces représentations? Bien, ce qu'on attend, c'est que ça fasse du bien aux gens. Et surtout les retrouvailles. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent et qui sont heureux de nous retrouver à nos concerts. Et des enfants qui deviennent petits chanteurs en même temps. On n'a pas l'impression d'être à 10 000 km. Maintenant, c'est à côté, quoi. On dort une bonne nuit et puis on arrive chez vous. On va voir les dates qui s'affichent là actuellement à l'écran. Avec quel répertoire pour les concerts à La Réunion? Alors, pour les musique sacrée, une première partie en aube, traditionnellement, comme depuis 1907 en fait. Hein. Et puis une deuxième partie, ce sont des chants de France et du monde, puisque dès 1930, les petits chanteurs à la Croix de Bois sont partis à travers le monde en 31. Ils partaient États-Unis, Canada, et puis ça n'a jamais arrêté. Le succès a toujours continué. Maintenant, on a 86 pays à travers le monde. On chante en une quarantaine ou une cinquantaine de langues. Et puis, voilà, on visite. Nicolas, vous avez été aussi des voyages de l'association à Singapour, en Corée. Quel a été le souvenir le plus marquant jusqu'à présent? Pour moi, c'était plutôt la Corée.
car les gens sont vraiment là-bas très accueillants. Ils se plient en quatre pour venir nous voir. Ça, c'est franchement impressionnant. Pour vous, ça sera la dernière année au sein de l'association Les Croix de Bois. Quel souvenir vous allez garder de ce passage pendant les 4 ans? Plutôt de la vie en groupe et des voyages surtout. Ouais. Parce que voilà, on vit ensemble depuis longtemps. Donc du coup, on se connaît très bien. Du coup, ça fait un petit peu mal de se séparer. Et la vie après l'association, ça va être quoi? Après, ça dépend ce que je veux. Là, je retourne au lycée normal à La Réunion. On verra. Au lycée de Belle-Pierre, notamment. Oui. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce midi. Merci. Et puis, bon concert à vous. Et à bientôt, peut-être. À bientôt, oui. Vous allez nous présenter le futur jeune réunionnais qui va faire partie de l'association. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.